Bonjour tout le monde, nous sommes les Ocarina Knights et aujourd'hui on se dirige devant le grand château de Bowser. Il est tellement grand, tu vois, qu'il n'y a pas de niveau 6 à cause de lui. Et on espère que cette fois on sera face au vrai Bowser. Ah bah c'est bien trop espéré d'avoir un Bowser au niveau 8 quand même. Puis 139 pièces, c'est trop bizarre. On en a que 139? Oui. Ouais, on a pas beaucoup en fait. Bon, il y en a plus que dans Mario 64, on me dira, en Mario, c'était que... Oh, j'ai pu arrêter les boules de magie de machin. Ouais, d'accord. C'était que 120, c'était beaucoup plus facile hein, à l'époque. Bon, est-ce que je peux juste keep tout ça, là? Mario 64... C'est 60... C'est... Oh, je... Faut juste avoir 64 points pour jouer au jeu. Allez, en bas, ok. Ça y est, ça coûte plus rien, tu vois. Ah ouais, non, d'accord. Ah, je pensais qu'elle était un peu plus taquine, tu vois, genre là où il y avait les piliers de feu. Ouais, pas du tout. Ah, Bowser, tu vois, il s'est dit, ah non, mais les pièces étoiles, d'ailleurs, elles servent à rien, puisque techniquement... Mais c'est pas vrai, Mario, tu connais les mondes secrets. Et ben voilà, là-bas, il faut les pièces étoiles aussi. Bon, bref. Il a été sympa, le Bowser. On va laisser passer ces créatures des enfers. Oh, je te permets pas, Mario, c'est pas des créatures des enfers, c'est des créatures de mon monde. C'est vrai, désolé. Là, je excusez-moi. Ça pourrait être mon cousin, figure-toi. Il y a peut-être des gens super fans de ces créatures et ils aimeront pas l'appellation. Ouais, notamment, je pense, tous les joueurs de Yoshi's Story. Bon, avant de récupérer cette super pièce étoile, je vais attaquer ces vilains. Ou pas. Non mais eux c'est les pires parce que tu vois, ils sont à l'extérieur de la map, là tu peux pas les voir. Mais en plus eux ils ont le droit de t'attaquer. Oh non, ils veulent que je fasse ça avec le boomerang. Ah mais non c'est bon. T'inquiète. C'est le talent. Alors tu vois, moi je l'aurais fait en sautant quand même. Ouais, c'est possible. Est-ce qu'on peut éteindre? Ah non. En me disant, ouais, quand même, franchement, encore une fois, ils abusent un peu, hein, la difficulté, c'est pas facile. Alors qu'en fait, il faut juste utiliser les éléments. Ah, c'est un drapeau. Bon, il y a une maman. Oh, c'est une Peach. Une maman, donc. Enfin, on dirait plutôt un panneau en bois. Ouais, je dirais, là, c'est un JPEG, hein, je pense. Et puis, en plus, de toute façon, on sait que Peach, elle est dans une cage avec un ruban, hein, c'est pas Peach. Mario, ça ne peut pas être un JPEG, il y a de la transparence. Oh, c'est bon, Peach. Un PNG, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses à voir? Il n'y a même pas de Toad. Et il n'y a pas enfermé les Toads ici. Pas de Toad. Bon, voilà notre super cible. T'as pas eu de point de sauvegarde là, encore, si? Si, je crois. Ok. Il y a l'air de rien avoir. Ouais, il n'y a pas plus de Toad, ok. Pas de Little Toadie. Ouais, j'ai envie de sauter avec un Tanuki, mais. Ça sera sans. Sinon, je voulais le frapper avec. Avec mon boomerang, mais j'ai complètement raté. Tu voudrais le frapper avec tes coups de poing que tu n'as plus? Non, on va arrêter. Ah, la pièce étoile est sur le Bowser. C'est tu vois, je voulais utiliser ma feuille, mais je sais pas si c'est une bonne idée finalement. Ouais, je pense pas. Hein. Je vais y aller petit à petit. Juste là, c'est de la mort en un coup. Comment on va faire? Ah, finalement, il faut l'utiliser la feuille. Attends. Parce que là, c'était soit tu utilisais le boomerang que tu n'as plus, soit c'était... Ouais, je comprends. Va falloir être face parce que la déesse, on le rappelle, elle est loin de nous. Voilà. Voilà. Eh bien, quel talent! Bon alors, cher Bowser. Faisons les choses bien. Ah oui, cher Bowser, ça, je me rappelle, c'était sur Miiverse. Tout le monde disait ça. Ah, ah, une boule de feu et après oh, c'est bon, merci. Hein, je... On dirait qu'il y a un truc là. Mais qu'est-ce qu'il fait? Ah, c'est dommage, j'allais dire. En plus, je pense que tu peux le contourner là pour une fois. Ça va qu'il a un pont solide, le gars, quand même. Bah, en vrai, oui. Hein. Ah, tu me contourneras pas quand même. Hein. Wouh! Oh, il t'a écrasé. Oh non, là. Non, le Mario petit.
Allez, c'est bon. Le Mario petit. J'ai pas n'importe quel Mario, c'est le Mario petit. J'ai du mal à croire que ça se termine comme ça. Ah bah ouais, mais c'est le Bowser de niveau 8, donc voilà, il a fondu. Ah, il y a une tête de mort. Ok, il est mort, voilà. Attends, c'est le Mario petit, il va y avoir un piège peut-être. Ah mais non, il y a la cage de la princesse. Et puis, la princesse est sortie de son PNG, elle est vivante. Oh, il n'y a plus beaucoup de temps. Il est vivant, là, je sais plus c'était qui. Ah oui, elle est vivante, ouais, c'est bon, je me souviens. un classique. Je suis devenu un enfant de maternelle. Oh non, on fait un combat et moi je suis un mini Mario. Mario, pourquoi n'es-tu pas grand? Mais t'avais une tête de mort, Bowser. Ah, il fume, disons. Il court dans le snowman. Qu'est-ce qu'on vient de voir? Mais attends. Le gars, il a trop regardé One Piece, Bowser. Il s'est fait, ah non, mais la technique de Sanji, là, qui court dans le... Je vais maîtriser, moi. Bon, alors, comment on fait ça bien? On a dit que on... Oh là, ça... Pff, non, attends. Si je prends pas d'élan et que je roule juste comme ça, c'est pas grave, ça va? Non, mais il faut mieux prendre de l'élan, je pense. Hein. C'est mieux. Hein. Bah voilà, bravo! Bon, par contre, qu'est-ce qu'on vient de voir? Ah bah, je suis sans voix. Il semblerait. Par contre, Mini Mario, on part pas comme ça, hein. Ah si, si, Mini Mario, il s'en va, là. Mini Mario on the move. Non, Mario, j'ai dit! Ah, regarde, c'est monde 6. Mais il a Bowser, il a peur là. Allez, à toi de jouer d'ami. Je sens que tu peux le faire. En plus, on dirait des rails. Oh, des chariots. J'avoue qu'on a que... Qu'est-ce que ça va être? On dirait que ce monde est trop bien. 96i. Bah du coup, finalement, tu regrettes en mode... Ah non, finalement, je veux bien reprendre la manette. Non, attends, je regarde. Je me souviens plus très bien. Parce que honnêtement, à part le niveau Zelda, je me souviens pas de grand-chose dans ce jeu. Ah ouais, je vois. Mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Mais qu'est-ce qu'il fait? C'est vrai, il y a une pièce étoile. Oui, à droite. Tu y vas. Non, pas à droite. Ah, ouais, mais tu peux marcher sur ça, au pire. Non, c'est pas assez haut. Ouais, je peux pas que très. Oh, tu l'as eu. Très bien. Ok, parce que ça a pas l'air facile à faire, en fait. Hein. Je... Ok, c'est bon, c'est la first. Eh, mais du coup, on va faire que des châteaux de Bowser. Hop. Oh, attends, t'es parti trop tôt, là. Ah, d'accord, ok. Là, c'est ambiance Mario Galaxy. Je trouve, écoute, j'avoue. Je pense pas que t'es obligé de rester au bout. Je pense qu'il est tout seul. Ah, si, quand même. Salut. Oh. Ouh là là. Non, mais les ennemis hors écran, là. Mario le hamster. Le hamster. Finalement, le chariot, voilà, pas fou, hein. Là. Voilà, pire idée. Ah mince, c'est comme dans Mario 64, en fait. Eh, mais la pièce étoile, elle est en dessous. Ah, donc c'est bien une pièce étoile. Allez, ouais, mais t'inquiète, c'est grâce à mon poids. Ah, oui, d'accord. J'avais pas réalisé que ça tombait. Tout, 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 tout. Ah mince, il va trop vite, Mario. Un plastique très très fort. Bon, c'est bientôt fini là. Je préfère faut être... que tu avances encore. Non, c'est bon. Je préfère être sur Ouest. C'est rigolo. Je comprends pas trop comment ça marche, mais ça marche, c'est tout ce qui compte. Alors, ouais. Bon, on doit s'assurer que l'assurance est assurée par... Je pense que la pièce étoile, elle va être probablement devant. Oh, yeah, bien joué. Alors, assurons-nous. Avec l'assurance... Ah, elle est là. Oh, je vois. On devra se laisser tomber.
Alors je pense que tu peux tourner, ça fait un trou tout seul, tu vois. Toujours envie de jouer au risque. Ah oui, mais non, mais... Faut bien, c'est le spectacle un peu, tu vois, sinon... Oh, oh. Oui, 200, bah, on va finir le niveau, t'inquiète, Mario. Eh, le temps, là, il est pressé, et la princesse, elle attend, j'ai pas été fait toute cette aventure pour avoir un carton de princesse, tu vois. Oh là là, Mario, quelle impatience! Je pensais qu'on était là pour les feuilles Tanuki. Ah non, il y avait qu'un niveau finalement. Ah, il était pressé, Mario, finalement. Sur la chance! Attention, il faut 100 pièces. Ah, mais je me disais aussi, tu vois, il n'y avait pas le fameux niveau 8-6. Mmh. Attends, j'ai gagné des pièces? Non, en fait, tu payes 100 pièces et après, ils te les rendent. Je sais pas pourquoi il y a cette animation. Mais voilà, ils y sont. Voilà, cette fois, c'est le vrai château de Bowser. Ah bah Mario est bien content d'y aller, hein, quand même, ceci dit. Mais j'avoue, est-ce que ça va être un vrai combat de Bowser, du coup, qu'on va faire et pas un simple... Eh non, il est stylé, ton château Bowser, dans ce jeu-là, quand même. Faut quand même qu'on se le dise. N'oublie pas que t'as aussi des pièces étoiles à récupérer. Oui, parce que Bowser, quand même... Ah, j'ai caché les... Non mais attends, mais son château, il est immense à Bowser aussi. Bah, en même temps, c'est pour ça qu'il a appris à marcher dans... Non mais je suis sérieux. Tu peux recommencer. Je suis sérieux. Non, on fait pas choix de stage. Bon. Oh, c'était juste. Wow, ça bruine les boules de feu, là. C'est vrai. Oh, mais non, mais t'es au-dessus. Ah non, mais t'es au-dessus. Mario il s'en fiche. Mario. Ah elle est là. Ah non c'est pas une pièce étoile, pardon. Ouais c'est une grosse pièce ça. C'est une pièce normale. Pourquoi elle est grosse comme ça? Pour que tu la vois bien. Faut que t'ailles dessus, ouais, j'imagine. En fait, j'imagine qu'il faut aller dessus. Ah c'est un ascenseur. Ok très bien. Ok, hop. Okay, j'ai cru que Mario il allait faire des. Non, attention. Des ok, petit Skellerex. Ok, Mario, faut sauter. Mario, faut sauter. Eh, j'avoue, t'as quand même un. Oh là, faut pas avoir des réflexes de saut en fait, parce que sinon tu meurs. Oh, mais Mario, je disais, t'as... Non, mais enfin, t'as une feuille de Tanuki au cas où, mais on a appris qu'il fallait pas l'utiliser sur les plateformes mobiles. Je crois que la pièce étoile était au milieu. J'ai même plus, j'ai eu un checkpoint ou genre. Non, j'en ai pas non, eu. Très bien. Bon, bah, alors ça sert à rien. On doit continuer. La pièce étoile, elle est là. Non, je suis dead là. Je suis dead. Non, c'est bon. Je suis pas dead là. Ok. Un bon français, on dit je suis mort. Est-ce qu'il y a des blocs cachés? C'est ce que je me demandais. Ça avait l'air d'un bon endroit pour mettre un bloc. Ouais, j'aurais mis un bloc là. Après, il était peut-être là, mais on l'a pas bien eu. Je dis on, c'est que d'amis qui jouent, mais. Salut! Waouh, il y a plein de drapeaux. Pirate, Bowser est un pirate. Bien sûr, Bowser est un pirate. Il a des forteresses. Attends, c'est un truc de la nouveau pièce ouais, rouge, ça. Rouge, ça va. Je vais tirer là. Je ne sais que dire là, je ne sais que dire. Alors des fois faut tirer pile bien et des fois faut pas tirer vraiment pile bien, il faut tirer au-dessus, des fois faut tirer en dessous, des fois... Là je pense que tu dois tirer pile bien dedans. Hein. T'as vu, t'es super haut. Mais il y a des niveaux, faut tirer au-dessus sinon c'est pas bon. Ah je vois ça. Une petite porte. Genre, vous donnez vraiment rien. Genre. Bah, il y avait les pièces rouges, j'imagine, pour donner. Non, non, je parlais d'un drapeau, un truc comme ça, tu vois. Ah, il y a pas de point de sauvegarde. Ouais, voilà, y a pas de meurs, tu devras refaire le niveau. À moins que ça se passe. Bah, non, ça c'est bah la non, fin. Bah, non, ça c'est la fin. Mario, oh, je suis en pyjama maintenant. Mario, tu n'es pas en pyjama, tu es habillé en pyjama. Regarde, Bowser, il a fait un joli nœud quand même. On peut pas nier. Il s'est très bien noué. Ouais, des trucs. C'est vrai, c'est vrai. Waouh. Du coup, on fait un vrai combat, Bowser. Trop stylé. Ah, Bowser, là. Ah, bon. Oh, le waouh.
Ah non, on fait quand même... Ok. Ah, j'espérais un vrai combat, Boxer, quand même, je t'avoue. Pas une simple... Attention. Ah d'accord, je croyais qu'il allait me tirer une boule de feu. Mais non, le gars, il me jette une boulette, là, en mode... C'est pris pour un spike. Oh, des Goombas. C'est pour aider Mario à mieux voler. Exactement. Je sais pas ce que font les Goombas ici. Oh, c'est Donkey Kong. Ouais, bah j'ai vu les gens, ils disent je préfère Donkey dans Smash, vous allez voir. Moi aussi, j'ai jeté des toits. Oh non, bon, bah, vite passe à travers. Je peux pas passer à travers, ah, il okay. est physique le gars. Mais c'est quoi ça? Il faut qu'il crache des boules de feu pour casser le truc. Mais c'est quoi ça? Un mur. Mais oui, j'ai tout prévu, Mario, cette fois je sais. Non mais le gars effectivement il s'est amélioré hein. Entre temps il s'est dit bon allez bon, c'est à combien de fois que tu m'as comme ça là déjà? Bah non en fait. Que la deuxième en fait. Waouh, des boules de feu violettes. Ah il devient pas content là. Est-ce que c'est des boules de feu magiques comme Kamek finalement? Probablement. Donc ça c'était sa plateforme. Je pense, hein, faut que j'aille là. Suis Je peux même pas dire suis la caméra parce que c'est la caméra qui te suit. Oh on n'oublie pas. Fait hein. Un piétinement. Mini Mario oui. Eh mais comme quoi, même d'avoir appuyé sur le bouton, ça n'a pas suffi. Oh là là, c'est devenu City Escape. Je suis Mini Mario, mais j'en ai rien à faire, je fais quand même les inputs. Eh, c'était rigolo comme niveau quand même. Oh bah mince, le pauvre. Oh là là. Oh, il tire des boulettes de feu, Rose. Bah, tu vois, Rose, mignonne. Oui, Boxer. Oui, oui, ouais, oui, non, oui. Non, non. Oh, mais on reste. La vérité est véritable. Bon, elle est rétablie. Ah ouais, non, ça serait que la troisième fois, du coup, je crois. Je peux pas l'atteindre. Là, je peux pas l'atteindre. Peach, donne-moi un costume de Tanuki, je sais pas, mais là, je peux pas atteindre la fin du niveau. Attends, avance, là Non, pas avancer, bon, c'est pas grave. Avance, avance. Mais non, mais là, avance. Il y a peut-être un truc. Non, il y a rien du tout. Il n'y a même plus de temps. Non, mais là, Non, on va d'abord refaire le niveau, hein, je crois. Tu penses que même roulade, tout ça... Oh, ça peut être jouable, allez. Oui oh, ok, c'est jouable quand même. Bravo! Mini Mario win! La fin la moins épique de l'univers, hein, je crois. Là, on est bon, on est bon. Mais il est pas petit comme ça dans Mario 64 par rapport à Peach. Oh non, je pense pas quand même, n'exagérons rien. Bon, et ça va, il a mangé une... Oh, et vous en partagez même pas avec la princesse. J'avoue, là, t'abuses un peu, Mario. Et on n'avait pas encore fait le modèle 3D de Peach Tanuki. Bon, ça va, ce sera corrigé plus tard, elle aussi, elle pourra utiliser le pouvoir des feuilles. Bah, dès le jeu suivant, finalement, 2 ans après, en fait, j'ai regardé, c'est vraiment... Ça a vraiment enchaîné en 3D Land et 3D World, donc... Ah, ils avaient pas le temps. Ils avaient très envie de rendre Peach jouable et c'était très cool. Oui, mais du coup, voilà, Mario 3D Land, c'est un petit jeu qui est sympa parce que finalement, il a posé des bases qui ont de Mario 3D World, finalement. Et, c'est vrai. Hein. Et Mario 3D World, bah, il est génial, ce jeu. Ah, c'est clair, non, mais 3D World... Mais non, mais c'est ça, hein, tu joues à 3D World, à 3D Land, tu joues finalement un peu à la bêta de 3D World, en fait. Oui, c'est vrai. Bon, il n'y a pas le chat, certes. Ah, le chat, il a un des meilleurs pouvoirs de Mario aussi, ça, finalement. Alors, il permet pas de voler comme la cape, mais... Non, mais est-ce qu'on reverra... Bah si, j'allais dire, est-ce qu'on reverra le chat, mais... Bah, techniquement, non. Enfin, je sais pas, en fait.
Ah bah tu peux pas savoir. Parce que techniquement, le pouvoir de Tanuki, là, il est revenu. Personne l'attendait. Ouais, depuis Super Mario Bros. 3. Oh, regarde. Un pétale de fleurs. Oh, c'est Mario et la princesse qui regardent une belle feuille. Ils s'écrivent un petit mot derrière, tu vois. Et ça va à l'arbre Tanuki. À récupérer ses feuilles. Et oui, c'est comme ça que ça marche quand vient l'automne, chasser le Bowser et le printemps reviendra. Ah, c'est beau. Ah, c'est un peu comme ça que ça marche dans Majora's Mask. Hein. Tu bats la malédiction. On a oublié de trouver Luigi dans le processus. J'avais oublié de t'envoyer une lettre, Mario, en fait. Mais j'étais là-bas, moi aussi, figure-toi. Bon, allez, tu dois retourner là-bas, tu dois retourner me chercher. Ah bon? Oh, il est pas content, le coup, hein. Petite fin, Mario World, attention. Ah, ils essayent. Ah, on revient donc là. Bah, notre endroit préféré. Bah, c'est pas grave, du coup. On arrêtera la vidéo sur ce beau plan où Mario court sur... En fait, ce niveau n'existe pas, d'ailleurs. J'avoue. Enfin, il me semble pas qu'on l'ait vu, ce niveau. En tout cas, on l'a pas fait. Bon, c'est peut-être un niveau secret, tu me diras. Hein. Vu que c'est ta partie... J'allais dire, vu que c'est ta partie, peut-être qu'ils montrent les niveaux secrets quand même. En tout cas, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, merci à tous d'avoir regardé cet épisode et à bientôt pour le prochain. Au revoir. Salut tout le monde.